Ouais, ça passe vite, hein. C'est pour ça que je suis en train de regarder. Ouais, on est à 36%. En vrai, il y a moyen qu'on le termine peut-être pas aujourd'hui, mais qu'il nous reste peut-être une heure et demie de jeu pour la prochaine fois. À voir. Alors dites-moi si le son est bon ou pas. Je crois que je l'avais pas mal monté. Peut-être si je vous mets à 50%, ça devrait le faire. Sachant que j'essaye de me mute pendant les cinématiques et tout. Donc voilà, on était arrivé ici. Toute nouvelle zone, on s'était dit c'était le meilleur moment pour arrêter. Donc il y a tout à visiter. Non, je refuse d'y retourner. Trop de flics. Alors, qu'est-ce qu'on a de là? Il a l'air solide. Ok. C'est fermé. C'est fermé, comme d'hab. Non. Ok. Vachement rustique. C'est cossu? C'est l'emblème des charognards. J'ai du mal à croire que Mo était dans la bande des charognards, mais finalement. Sinon, comment on aurait pu avoir ce booster? Y a plein de bécanes. Ok. Je n'ai rien. Ok, donc il faudra trouver le moyen de d'ouvrir le C'est coffre. sûrement la fenêtre par où Mo regardait quand elle était petite, en Salut, rêvant de Pargol! réparer un grille-pain. Non. Ok, on va aller là-dedans. On va aller voir ici. Quelle année ce jeu? Bah là, le remaster est sorti plus tôt. Par contre, le jeu d'origine, facile dans les années Fermé. 90, mais quand exactement, je sais pas. C'est fermé. Ben, j'ai essayé, tu penses bien? Ouvrez, bande de visons. Ouvrez, bande de visons. C'est fermé. Je n'ai rien. Ok, donc pour l'instant, on peut rien faire. J'aime pas marcher. J'aime pas marcher. J'aime pas marcher. J'aime bien, c'est marrant. J'aime pas marcher. Ouais, c'est vieux, c'est vieux, c'est vieux. Après le remaster, je pense qu'il est sorti il y a pas si longtemps que ça. 95, ouais. Et du coup, le remaster, Greg, tu sais quand est-ce qu'il est sorti? Salut Souvoir, trop nul. J'adore marcher, moi. Alors autant, c'est pas une activité que je fais très régulièrement. Par contre, je peux marcher à Non. l'infini. Je refuse de poser mes lèvres là-dessus. Ouais, je me doute bien que tu veux Ce pas lécher ta routier va me moto. payer de sa vie. Et ça marchera pas sans un tuyau d'alimentation. C'est vrai que je crois que notre moto, elle était castée, en fait, Non, hein. je refuse d'y retourner. Trop de Très flics. bien. Alors, je regarde parce que la dernière fois, ce qui m'a posé souci, c'est qu'il y avait un endroit caché que j'avais pas vu. 2017, ouais, c'est ça. Pas si vieux. Bon, après, je comprends, hein, c'est un motard, la moto, tout ça, l'amour de la moto. Après, ça lui fait une petite trotte, là, hein. Il marche J'aime quand pas même. marcher. Il a marché de là à là pour me dire « J'aime pas marcher ». Bon, bah écoute, hein, on va y retourner ici. Il y a peut-être un truc que j'ai pas vu. Genre ça, là, les espèces de balai brosse. La fourrure, c'est pas mon truc. De la fourrure. Non. On dirait du vison. Je refuse de poser mes lèvres là-dessus. Ah, c'est quoi ça? Ça fait une petite foule C'est l'emblème des trottel. charognards. Ah, J'ai du mal à l'emblème. croire que Mo était dans la bande des Attends, je peux charognards, peut-être le mais prendre en fait finalement, l'emblème et me faire comment on aurait passer pu avoir ce pour. booster? Attends, je prends. Ah, regarde, il y a le. En fait, je sais pas si la petite. Comment dire? Si le petit CD, c'est juste une sauvegarde automatique ou si c'est parce que j'ai découvert quelque chose. Tu vois, on le voit plus l'emblème là, j'ai l'impression. Il aime Putain de rien! fourrure de vison. Ouais, il aime la bagarre. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Ah, on peut prendre le coussin ou pas? Oui, on peut prendre le coussin. Ah, donc la clé, ça ouvrirait ça? Facile.
Attends, il a perdu une main, Coco. Oui, voilà, c'est ça, Voight. Il a déjà perdu une main. Obtenez un tuyau pour réparer votre bécane. Très bien. Je crois que Mo m'en voudra pas si je lui emprunte ça. Ah, vous voyez pas les trophées, mais... C'est pas vraiment une clé, mais bon. Il va la réparer en 3 secondes. Oh bon, ça va. Faut que je joue. Si top encore. Mais c'est si top pour de vrai. C'est la même musique que la Goon, du coup, vous l'avez? Elle a piqué le carburant de mon booster. Pourquoi veut-elle me booster? Je dois penser que le monde entier est complet. Coucou Mocha. Je crois que je sais comment ça. Bon, ça suffit. Il est mort. Bon, je voulais jouer, mais cinématique. Arrivée avant, c'est tout. Alors nous n'avons plus qu'à l'attendre. Salut Antoine, salut Rakos. C'est à moi de jouer ? Il y aurait pu y avoir un passage brodrage. Ouais. Alors, voyons voir. De l'engrais. Je prends ? Bon, on entend très très mal les voix, mais bon, ça après, je peux pas faire grand-chose. Hein. Chez moi, c'est pareil, je suis obligée de tendre l'oreille. Il va où? Je refuse de poser mes lèvres là-dessus. Mais t'es où? Il a pas bougé. Bon, attends, si je mets un coup de pied, tu vas pas me dire qu'il va le faire bouger. Bon, je pense qu'il fallait juste que je m'arrête pour prendre l'engrais. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Elle est prévue pour dévisser des boulons. T'as vu le menu, le melon, le menu. Enfin, j'ai fait un mélange de menu et boulon. Le melon. J'en peux plus. C'est l'histoire de ma vie, ça, tout le temps. On y va? Non, je te jure, je lis menu de Mocha, j'entends boulon du jeu, le melon. J'en ai trop marre. Bon allez, on y va. Il en a pris avec ses mains en plus, hein.
Faut que je tourne? J'ai pas compris! J'ai comme un pressentiment. Je parie qu'il y a plus de monde. J'ai pas compris! J'ai comme un pressentiment. Je parie qu'il y a plus de pas à pied. Comment ça, pas à pied? En bécane? Ma bécane. Bah en fait, j'ai pas compris qu'il fallait tourner, moi, tu sais. J'ai comme un pressentiment. Je parie bon, vas-y, je refais demi-tour. Là, il va me demander d'aller de tourner à droite, mais moi, je sais pas faire. Bon, il me redemande à gauche ou pas? Ouais, c'est ça. Je sais pas comment on fait. Ah, c'est bon. Fallait que j'appuie sur une touche, en fait. Faut que je le pousse? Pépé soupape. C'est Pépé soupape! Je t'ai pas revu depuis que t'as quitté les putois. Hey, Ben, comment va le gang? C'est une longue histoire. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais, Ben, la retraite, c'est rasoir. Alors je me suis dit, va sur la route de la vieille mine pour chercher la bagarre. Je cherche la bagarre ici? C'est à ça que sert la route de la vieille mine, fiston. Pépé soupape, j'ai besoin de ton aide. Le gang est en prison et la loi... Je suis plus le chef des putois, Ben. C'est toi, maintenant. Tu ne vois pas que je suis en vacances permanentes? Tu connais des trucs pour la baston, soupape? Allez, Ben, c'est toi le plus fort, non? Ouais, mais ces pourraves sont encore plus cruels. Mais ils sont pas très intelligents. Je suis sûr que tu pourras t'en sortir. Les charognards sont rapides et idiots. Ceux qui ont des boosters sont durs à rattraper. N'oublie jamais que c'est pas toujours une question de muscles, Ben, mais aussi une question de timing. Et qu'est-ce qu'ils ont, ces caverneux? Fais gaffe, Ben. Ils ne sortent pas pour le sport. Ils piquent toujours les gros accessoires. Ça fait partie de leur religion. Évite-les. Ce sont des tueurs aveugles, au cœur de pierre. Comment font les caverneux pour conduire s'ils sont oui, aveugles? C'est coupé aussi. En fait, s'ils ne portaient pas ces lunettes spéciales, ils ne seraient pas aveugles. Il y a des capteurs spéciaux dans leurs lunettes pour détecter des points sur la route, et d'autres repères qui leur permettent aussi de s'orienter. C'est dingue, hein? Tu sais si on peut contourner la gorge de Poyaoga? La contourner? Elle mesure des dizaines de kilomètres, Ben. Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas les ponts? Il a sauté. Oh, et dire que j'ai raté ça. Eh bien, tu pourrais sauter par-dessus, comme Ricky Miran. Les caverneux ont toujours sa rampe dans leur repère, tu sais. Où se trouve le repère des caverneux, exactement? Quelque part sur cette route. Mais l'entrée est totalement invisible sans le matériel spécial des caverneux. Je peux plus parler, Ben. J'ai bouffé trop de moustiques. Bon, à plus, Pépé. Montre-leur ce que tu sais faire, putois. Salut, Jorus. En fait, faut que j'appuie sur croix quand ça me propose... Je vais baisser un petit peu, j'avais monté exprès. Ça serait bien. Salut, Ministrel. Peut-être faut que je reste sur cette route-là. Je reviens là. Pas sûr que ce soit par là, hein. Vas-y, je repasse par là. Et dès qu'il me demande de tourner là, je tombe pas. Là, je tombe pas.
C'est Pépé Soupape encore? Oh non, c'est de la bagarre! C'est gratos! Il se trouve, il a rien demandé, le gars! Allez! Allez, salut! Ah! Mais bon, j'ai gagné! Il y en a encore un. C'est une bagarre encore? Ouah! C'est reparti. Le mec, il a rien demandé en fait. C'est moi qui les attaque gratos, les gens. Oh, facile. Allez, next! Ah mince! T'aimes bien les belles machines, toi? Non, bah... non, non, bon, ça ira, madame. Wow. Je vais te découper en rondelles. Non, non, c'est bon. Arrête! Vous me faites peur! Bah oui, elle me fait peur. Je voulais pas l'attaquer, en plus c'était une dame. Bah, bon, bah tant pis, hein. Il est gentil, lui. Bonjour. Il est gentil! Arrêtez d'être méchant! Ah mince, j'ai plus mon... Vas-y, je tourne, hein, ils sont dangereux ici, sur cette route! Ah ouais, je reviens là? Bon, moi je reste là et je profite de la musique. Salut Romain! Là, je vais tomber sur le pont. Vas-y, je tourne ici. C'est qui? Bon, bagarre! Ok, un de moins. Production de booster à carburant solide de classe Destroyer. Et bien sûr. Je vais te griller sur place, dame Liman. Hein? Il vient de se passer quoi là? Il y a marqué Exit Only. Sur là, il y a quoi? Vas-y, je prends pas Exit Only. Bon, je me fais plus avoir avec votre tronçonneuse là.
Vous me faites peur. T'en veux encore ? Non ! Arrête, ça fait mal ! Wouah ! Mais attends, au secours ! C'était le boss de fin, ça ! Bon, je suis tranquille, du coup, il n'y a plus personne sur la route. D'accord. Vas-y, je continue ma route jusqu'à ce que je tombe pas, je touche à rien. Tue-le, il va mourir. Allez. Il m'a eu. Brut, d'habitude il fait pas ça. T'as, mais ça finit un jour Ah. Bon, j'ai l'air de progresser ma foi. J'espère que c'est pas une boucle infinie, hein. Mais encore lui! Ah ouais, mais lui, on peut pas l'atteindre ou je sais plus quoi. Je peux pas l'atteindre. Bah, il a l'air gentil. Ça va ? Je peux pas l'atteindre. Mais... Mais... Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut que je les tue tous ? Ouais, non, il me fait peur, lui, avec sa latte de parquet. L'autre, il me fait peur avec sa tronçonneuse. Allez, je lui mets une pêche, là. Plus. Mais non. Ouais, je comprends rien. Accélère! Vite! Oh non, encore un, j'ai pas envie! Bonjour! C'est Mo, ça, non? Eh, c'est vraiment un putois? Ouais, un vrai. Ben, je hais les putois! T'es pas gentille! Salut, Julius! Bon, une de moins! Encore lui! Merci pour le follow, bienvenue! Ah, je crois que mes alertes marchent plus sur cette scène. Ah si, je sais, je crois que c'est parce que j'ai décalé la cam. Ah! Arrête! Non! Oh, c'est chiant! Je sais même pas si je dois avancer et tout. Non, en fait, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'il faut faire. Oh, il m'agace lui aussi, là. Il devrait vraiment trouver un moteur.
J'ai compris. Je viens de comprendre un truc. En fait, je n'ai pas que mes coups de poing. Ok, j'ai compris. Elle, coup de poing. Hop. C'est bon, j'ai compris, je crois. J'ai d'autres trucs. Voilà, et elle, je l'attaque à distance, en fait. Je vais te réduire en bouillie. Je vais te découper en rondelles. Arrête, t'approches pas. Vous me faites peur. Godasse. C'est bon, j'ai compris. En fait, je pense que chaque personne motarde, elle a son attaque spéciale, en fait, qui la counter. Lui, je pense que c'est ça. Et alors, t'avais égaré ton plomb ou quoi? Désolé, je suis à la bourre. Non. Ça se voit, vive l'entraide, hein. Bon, le gars là qui va vite, je sais pas encore. Je pense que c'est peut-être la chaîne. Lui, les coups de poing, c'est... Ah, là, encore elle. T'en veux encore? J'en sais rien. Je vais te découper en rondelles. Je vais te réduire en bouillie. Non, ouais. Dégage. Oh, j'ai plus mon truc. J'ai plus ma chaîne. Salut Adrito. Ouais, il manque que Whisper of Machine, mais les autres, je les ai fait. Trop bien. Attaque. Non, vraiment, il y a des trucs, je comprends rien là. Bon, les coups de poing, ça avait l'air ok. Hein. Ouais, elle est trop relou cette phase en vrai. Je l'ai eu. Je vais te griller sur place, ça me dit mal. Il va rester encore une ou deux charges là-dedans. C'est bon. Bon, j'ai eu lui. Après. Ouais, mais le truc qui est chiant, c'est que je pense que je vais recommencer de zéro après. Bah ouais, mais du coup, je vais devoir recommencer ou il est validé? Encore lui! Ah, lui, c'est les coups de poing! J'ai confondu avec l'autre d'avant. Lui, c'est bon. Mais en fait, il a level up. Il avait, quand je le battais la première fois, il avait pas le temps de sortir son arme. Tu vois, ça marche plus maintenant. C'est bon, j'en ai eu un. Ah, j'espère que je dois pas refaire les autres.
Ok, j'ai récupéré la planche. Ça marche. Bon, la planche, c'est pour la dame avec la tronçonneuse, je pense. L'engrais, lui, non? Bon, bah dis pas que je dois recommencer. Ah, c'est pas le même. Je vais mettre de l'engrais dans ces grosses roues. Tiens. Ça sert à rien. Ça sert à rien, l'engrais. Ouah, je te jure, elle est trop nulle, cette phase. Je sais pas où je vais, je sais pas ce que je dois faire. Je comprends rien. J'espère juste, moi, que ça me... J'espère juste que ça me les valide, en fait, une fois que je les ai tués au moins une fois, parce que... Punaise, n'importe quoi. Salut Régamatique. Je sais pas, mais j'en ai un peu marre, je t'avoue, là, ça fait 20 minutes que je suis dessus. Ok, lui je l'ai eu. Ça marche. Salut Biden. J'ai gagné des lunettes. Ok. Salut Skydoll. Je suis sur une phase de jeu là. Ça me fatigue. Salut Devan. Comment ça va? Salut Biden. Oh, je crois que c'est bon, je commence à avancer. J'espère juste que ça me les valide. T'en veux encore? J'espère juste que ça me les valide en fait une fois. Tu es en train de me battre. Ouais, elle, j'arrive pas. Il faut que j'arrive à counter en fait avec des armes que je récupère au fur et à mesure. Ouais, ça va. Oh bah driver. Non, driver en fait c'était. Moi je me suis beaucoup amusée sur driver. Mais on n'en est pas au niveau de fin de driver quand même. Je pense qu'une fois que j'aurai trouvé les combinaisons. Ouais, c'est ça, petite ambiance Mad Max. Et en fait, j'ai mis du temps avant de comprendre que chaque... en fait, que j'avais pas qu'une arme. Est-ce que lui, c'est juste coup de pied? Ça a pas l'air de trop marcher, le coup de pied, en vrai. Hein. Non, ça marche pas. Bon, en fait, je sais même pas ce que je dois faire, Reggae. Je sais pas si je dois les éliminer tous, et après j'arriverai au bout du chemin. J'en ai aucune idée, en fait. Genre, est-ce que ça boucle à l'infini? Salut Tivar. D'accord, en fait j'avais besoin de récupérer les lunettes. Salut Loud, j'avais besoin de récupérer... Ah bah... En fait, si, fallait que ça continue, a priori. C'est bon, non? Attends, ça a sonné tout à l'heure, mais ça veut dire quoi? Salut Mosco! Ça a sonné en A, je sais pas quoi. Ah merde! Attends, j'ai compris, je crois. Dès que ça sonne, ça veut dire que je suis arrivée au bon endroit, il faut que je... Vas-y, je retourne ici. C'était bien ton stream, Maiden?
Ok, je remets les lunettes. Et dès que ça fait bip bip, je valide. Ok? On fait ça. Salut Darst. Ah ouais, c'est vrai? Bah peut-être ils étaient coincés ici, hein. C'est bon, non? Ah non. Ah, c'était bien. Il y a monsieur qui l'a fait, là. Il voulait le platiner, mais il aura pas le temps. Non, il est pas dur. En vrai, pour avoir fait Discworld et tous les jeux ultra durs, celui-là, il est super facile. Une fois que t'as l'habitude des point and click, il est super facile. Attends, non, moi je veux remettre les lunettes. Je m'en fiche de me battre. Ouais, bah t'inquiète, monsieur, il platine tout. Il galère, mais il platine tout. Alors. Dès qu'il y a marqué caverne, j'appuie. Là, c'est la sortie. Donc, non. Tout à l'heure, je l'ai vu, c'était marqué caverne. Ouais, j'ai fait Discworld et j'ai fait les 4 déponia. Et c'est vrai qu'ils sont costauds, ceux-là. Ok, il y a un moment, c'est marqué caverne. C'est la sortie, on s'en fiche. On va y arriver. Il veut pas me remontrer les cavernes? Je l'ai vu tout à l'heure en plus, caverne. Ok, je vais reprendre la sortie. Et... je vais prendre ici. Là, je retourne ici, on s'en fout. Salut Mathias. Bon, après Discord, on l'a fini, mais avec la Solus, hein. C'était impossible. C'était impossible comme jeu. Vas-y, je vais tourner ici et je vais remettre les lunettes. J'ai vu la caverne tout à l'heure, faut juste que je retrouve. Donc là, c'est encore sorti. C'est bizarre, c'était vers genre G, un truc comme ça, non? Y a rien qui pop, hein? Bah si, si, Day of the Tentacle, on l'a terminé sans Solus et franchement, pareil, il était hyper accessible, hyper abordable comme jeu. C'est un des point and click justement que je recommande pour ceux qui voudraient faire des point and click pour commencer. Ouais, franchement, il est super simple. C'est Maniac Mansion qui est plus compliqué. Bon, fais voir. Les lunettes, on les avait tout à l'heure. J'avais vu caverne. Je m'en veux de pas avoir appuyé au moment où... Attends, je vais aller au highway. Je m'en veux de pas avoir appuyé au moment où j'ai vu le mot caverne s'afficher.
caverne. Ça fallait être au taquet, hein. Ok, c'est bon. Ouh, bah dis donc, compliqué, hein. Ça, c'est compliqué, de savoir qu'en fait, tu cherches des lunettes, comprends pas trop le combat de moto, jusqu'à ce que tu trouves celui qui a les lunettes. Salut, Frix. Ne fais pas de spéléo. Ok, eh ben, c'est parti. Ne fais pas de spéléo, ne fais pas de spéléo. Spéléo toi-même. Ne fais pas de spéléo. Ne fais pas de spéléo. Alors, pourquoi t'es sorti de ta voiture, Enfin, ta voiture, c'est pas une voiture, c'est une moto. Ok. Oula. Il veut pas du tout marcher, mais complètement pas. Je refuse de poser mes lèvres là-dessus. Ça devient mystique un peu là, non ? Ils sont vraiment sinistres. Non, une balade par là, ça me dit rien. Propriété du grand show itinérant du cascadeur Ricky Miran. Ok. Ok. Et après ? Vous me ferez pas entrer là-dedans. T'es sûr ? T'avais l'air motivé pourtant. Je ferais mieux de me tirer d'ici. T'es bon, j'ai récupéré ce que j'avais à récupérer ? Pourquoi je récupère ça en fait ? Ah, c'est pour Ah, les musiques, elles sont tellement bien. Oui, il m'a dit que ça m'aiderait à sauter par-dessus le pont comme il l'a fait Ricky machin là. Mes frères, nous avons reçu la visite d'un grand l'esprit de Ricky Miran, qui est venu pour réclamer sa robe. Mais pourquoi il a laissé ici ? Il ne peut pas l'utiliser. C'est un esprit. Il ne fait qu'exprimer sa colère. Et nous devons lui faire honneur. Oh, grand esprit en colère de Ricky Miran, nous honorons ta fureur. Mais pour l'instant, il faut ramener la robe. Il a réussi à cacher sa moto, hein. Non, de l'autre côté, de l'autre côté. Ah, faut que je la re-récupère maintenant. Mince. Non. Il y a un truc qui est tombé par là.
Non. Belle ligne. Non, une balade par là, ça me dit rien. Ces mecs sont vraiment sinistres. Je refuse de poser mes lèvres là-dessus. Je ferais mieux de me tirer d'ici. 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 Ouais, bah du coup, ils vont me récupérer encore une fois ma rampe. Il y a un truc qui a volé, je sais pas où. Du coup, faut que je le récupère avant. Mais pour l'instant, il faut ramener la rampe. Parce que sinon, elle se décroche. Mais il y a un truc qui vole, en fait. Le problème, c'est que je peux pas changer d'écran. Propriété du grand show itinérant du cascadeur Ricky Miran. Je refuse de poser mes lèvres là-dessus. Tu vois, là, j'ai pété un truc. Vous me ferez pas entrer là-dedans. Merde, je voulais rentrer ici avec la moto. Ministrel, s'il te plaît, j'accepte l'aide, mais là, c'est un peu oppressif. Faut me laisser chercher un petit peu quand même. Si tu connais le jeu, ça m'intéresse pas de savoir à la seconde les énigmes. Je préfère chercher avec le chat qui connaît pas. Vous me ferez pas entrer là-dedans. Ah, et après, je peux plus le récupérer, ce machin. Ouais, parce qu'il le remet, du coup. Salut, Wood King. C'est mort, je me fais plus avoir. Je refuse de poser mes lèvres là-dessus. Ces mecs sont vraiment sinistres. Vous me ferez pas entrer là-dedans. Peut-être en vrai, je peux le fixer juste. Je ferais mieux de me... Merde, j'ai ruiné le truc encore. Ou alors, faut que je mette de l'engrais, ou... Je ferais mieux de me tirer d'ici. Je ferais mieux de me tirer. Attends, enlève. Sors de ta moto. Je ferais mieux de me tirer. Ouais, mais du coup, ça m'a re-ruiné. Bon, tant pis, je reset. Est-ce qu'on peut passer les cinématiques? Non. C'est quoi ça?
Ah, quoique, attends. Elle est prévue pour dévisser des boulons. Mais tu peux pas le fixer. Je garde ça pour... Et là, tu peux pas leur mettre de l'engrais ? Je devrais garder ça pour la route. Je crois que c'est pas comme ça que ça marche. C'est trop dommage. Attends, et si je laisse ma moto ici... Et que je retourne là. Salut Florian ! Ne fais pas de spéléo. C'est lui, Gamy. Prévu pour dévisser des boulons. Non. Ok, bah je crois que j'ai pas le choix que de recommencer encore. Ah, ça me chiffonne parce qu'il y a un machin qui vole. Il faut que je trouve comment le récupérer en fait. Trois fois quand même que on peut pas skip les cinématiques, dommage. Mais pour l'instant, il faut ramener la robe. Et allez, c'est reparti. Hop là, je reviens pour la quatrième fois. On est sur la même run que le Dogo. Attends, peut-être qu'en vrai, je peux utiliser mes objets, en fait, dessus. Elle est prévue pour dévisser... Je devrais garder... Je garde ça pour la route de la mine. Propriété du grand show itinérant du cascadeur Ricky Miran. Salut, c'est Del. Oh non, ça, c'est plutôt dans Eye of the Mouse. Non, mais là, il y a un truc qui vole, et je sais pas le récup. Peut-être il me manque un objet, en vrai, c'est pour ça. Elle est prévue pour dévisser des boulons. Elle est prévue pour dévisser des boulons. Attends, parce que du coup, ça se fait en deux étapes. Voilà, et là, il y a un machin qui vole. Sauf que tu le vois que là. Elle est prévue pour dévisser des boulons. Salut, Worf. Je garde ça pour la route. Je devrais garder ça pour la route de la mine. Bon, ça dépend lesquels. T'as fait lesquels ? Enfin, du coup, ça me remet... En fait, le truc, il tape quand je déplace la rampe. Une balade par là, ça me dit rien. Bon, vas-y, je reset. En vrai, je vais save et... Le truc qui tape juste avant. Franchement, je me suis bien marrée, Warf. Enfin, c'était trop cool, hein. Et d'ailleurs, après, j'avais d'autres jeux de mots, quoi. C'est ça, le problème. C'est que si je me disais, vas-y, si on a un mob caillou, je l'appellerai Natacha Saint-Pierre. Enfin, que des trucs comme ça, tu vois. Je n'en peux plus. Mille idées, quoi. Blazing Dragons, Magic Carpet, il y en a des faciles, hein. C'est vrai, Warp. C'est les Griffiths. Hey, elle emote. Loom, celle d'elle. Non, il est pas en tenue rouge, Loom. Discworld. Oh mais si t'as fait Discworld, tu m'étonnes que t'es traumatisé des point and click. Tu m'étonnes. Discworld, ça m'a trauma aussi. Hein. On l'a terminé en stream là il y a quelques mois et... Oh, d'ailleurs, merci Seldel, grâce à toi, le montage vidéo que j'ai fait, c'est que la Solus en ligne droite de Discworld. Celle d'elle qui m'a appris à faire du montage vidéo et du coup je peux monter mes VOD. J'ai galéré. Hein. Autant Forbidden Siren c'était facile, autant Discworld c'était chaud.
Est-ce qu'il est sur Retro Achievement? Moi, je pense pas. Ouais, j'ai vu qu'il y avait les chevaliers de Baphomet aussi. Alors attends, il y a un truc qui tape. Propriété du quand je regarde le truc. Cascadeur Ricky Miran. Propriété du grand show itinérant du cascadeur Ricky Miran. Oui, je pense que t'as juste à suivre la Solus en vrai. Il y a un truc qui tape au moment où je décale la rampe. Le problème, c'est que là, je le vois pas en fait. Ma Discord, dis-toi, Warf, sur des streams de 3 heures, je ne gardais dans sa finalité que 45 minutes de ma VOD. Je refuse de poser mes lèvres là-dessus. Alors attends, est-ce que... Je garde ça pour la route. En fait, déjà, je peux rien utiliser ici, on est d'accord. Et ce qui est trop bizarre, c'est que... Attendez, on va sauvegarder et on recharge après. Regardez, je vais vous montrer. Dès que je fais ça... Non. Regardez, hop. Et là, ça tape sur quelque chose. Et ça me fait le voler. Et je pense que ça, il faut que je le récupère, en fait. Le problème, c'est que c'est à peu près à cet endroit-là. Mais il n'y a rien quand je clique. Ces mecs sont vraiment sinistres. Tamar Julius, bon après-midi. Vous me ferez pas entrer là-dedans. Mais là, je peux aussi... Elle est prévue pour dévisser des boules. Je garde ça pour la route de... Bah moi non plus. J'ai pas d'idée. Je devrais garder ça pour sachant... Ou alors, je peux mettre de l'engrais en dessous. Je devrais garder ça pour la route de la mine. Tu vois, elle dit, je devrais garder ça pour la route de la mine. En fait, j'ai l'impression qu'il me manque un objet. Tu vois, ça tape. Salut, oiseau. Bah, les lasers bizarres, j'ai essayé et ça marche pas. Elle est prévue pour dévisser. Tu vois, j'ai aussi essayé de désactiver ça. Regardez ça pour la route. En fait, est-ce qu'il me manque un objet ou pas, déjà? Parce que ça se trouve, je bloque parce qu'il me manque un objet, hein, tout simplement. Non, une balade par là, ça me dit rien. Tu vois, ça se trouve, le truc con, c'est encore, il me manque juste tout bêtement un écran, ça se trouve. Ouais, et puis là, tu vois, je récupère. Ouais, ouais, je veux savoir s'il me manque un objet ou pas. Je veux pas savoir quoi, mais s'il me manque quelque chose. Bah, je sais pas s'il est vraiment plein. Il me manque rien. D'accord, ok. Elle est prévue pour dévisser des boulons. Je garde ça pour la route de la mine. Je garde ça pour la route de la mine. Elle est prévue pour dévisser des boulons. Je devrais garder ça pour la route de la mine. Je crois pas que tu puisses combiner des objets, non. Je garde ça pour la route de la mine. Je devrais garder ça pour la route de la mine. Elle est prévue pour dévisser des boulons. Bah, en fait, ouais, tu vois, c'est ça qui est chiant. C'est que je sais pas dans quelle étape ça bloque. Là, il y a un truc. Ça tape dans un truc. Et moi, je me dis, si ça tape dans le truc... C'est pour m'aider à accrocher la rampe, pour que je puisse l'emmener. Le problème, c'est que là, je le vois pas. Par contre, si je fais ça, ça va taper dans le truc. Et ça le fait disparaître. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas de deuxième écran pour aller récupérer le truc. Donc soit ça se passe maintenant,
problème, c'est que là, il re-raccroche le truc, mais moi, je veux pas vraiment raccrocher le truc. À moins que je dévisse un truc et... pour dévisser des boulons. Je garde ça pour... Non, le seul truc que je peux interagir avec la rampe, c'est pour me dire que c'est la propriété de machin, là. Je garde ça pour la route de la mine. Après, il me dit je garde ça pour la route de la mine, donc... Salut, Vanivan. Je devrais garder ça pour la route de la mine. Merci pour le 29e mois. Elle est prévue pour dévisser des boulons. Je refuse de poser mes lèvres là-dessus. Ces mecs sont vraiment sinistres. Vous me ferez pas entrer là-dedans. Tu vois, il y a aussi ça. Je peux aussi... péter ça. Vous me ferez pas entrer là-dedans. Si j'insiste. Vous me ferez pas entrer là-dedans. Parce que des fois, c'est il faut parler trois fois au truc pour débloquer. Salut, Métadaron. Vous me ferez pas entrer là-dedans. T'inquiète, je suis là au moins jusqu'à 18h, 18h30. Hein. Vous me ferez pas entrer là-dedans. Ça a pas l'air d'être bon. Vous me ferez pas entrer là-dedans. Ouais, donc non, c'est mort. Et là, si je repars, je me fais re-rattraper et je perds encore la rampe. Sauf si je démarre et que j'ai l'option route de la mine, l'engrais. Je ferais mieux de me tirer d'ici. On va essayer. Ça se trouve, c'est pendant que je suis avec mes lunettes, là. Fini, Valkyrie Profile. Oh là, non. Non, non, ça va être un arc encore très très long, Valkyrie. Tu vois, ça se trouve, j'ai un truc à mettre là, en fait. Hein, qui redémarre pas tout de suite. Est-ce que je badigeonne la rampe ? Ça pour la route de la... Elle est prévue pour des... Je garde ça pour... Fais pas de spéléo. Après, il veut pas y aller tout seul sans la moto. Vas-y, et maintenant, est-ce qu'il se passe quelque chose quand je suis dans la cinématique ou pas? Non, je pouvais pas revenir, à me l'a dû, j'y ai pensé. Et là, je peux pas interagir. Ouais, je peux pas. Je peux pas revenir en arrière. Et là, je peux rien faire. Parce que je peux pas aller mettre un truc qui glisse pour les faire tomber. Salut, petite pelle. Donc ouais, je sais pas. Pour le coup, là... Après, je veux pas la soluce, hein. On réfléchit ensemble. Comme dit, hein, avoir la soluce sortie tout droit du chat ne m'intéresse pas. Hein. Prévu pour dévisser des boulons. Il n'y a pas d'intérêt de faire un point and click si c'est pour avoir la solution directe. On a le droit de chercher ensemble, de suggérer des choses. Les gens qui connaissent peuvent aiguiller, mais sinon c'est pas intéressant. Je devrais garder ça pour la route de la mine. Tu vois, là, tu peux quand même interagir sur ce machin-là. Est prévu pour dévisser des boulons. Ben, j'ai déjà essayé, Silenia, et pareil. Elle est prévue pour dévisser des boulons. Tu vois, ça me redit, c'est prévu pour dévisser les boulons. J'ai pensé à vraiment beaucoup de choses. Et pareil, tu vois, quand je disais, quand il bouge la rampe, il y a un truc là qui tape. Un petit temps sans spoil. Vas-y. Parce qu'il y a plusieurs étapes, c'est avant la rampe, pendant la rampe et après la rampe. C'est ça le problème. Ça c'est avant la rampe. Pendant la rampe, il y a un truc qui agit. Regarde la cinématique. Bah ouais, justement.
Regarde, hop. Voilà, et là, il y a le truc jaune, tu vois, qui vient de sauter. Et je peux pas... Et coucou. Salut Ryukan. Et je peux pas changer d'écran. La cinématique de poursuite. Ok, vas-y. Je peux pas les porter, mes lunettes. C'est pas du tout mon style. Parce qu'il porte ses lunettes. Non, il veut pas. Il veut pas. Et lui, c'est la moto ou rien. Il est chiant. Il veut pas marcher. Il veut pas abîmer les Doc Martens. Alors, venez, on regarde la cinématique. C'est sûr que ça se fait en plusieurs étapes. Là, tu vois, j'ai pas direct la cinématique. Tu vois, j'ai encore une partie. Tu vois. Si je veux revenir en arrière, il veut pas. Fais pas de spéléo. Je ferais mieux de me tirer ici. Tu vois, ici. Il veut pas, quoi qu'il arrive. Voyons voir, regardons bien la cinématique, analysons. Il n'a pas les lunettes, mais il a la vision rampe. Il y avait un truc avec marqué rampe qui clignote. Vous avez vu ou pas? Est-ce que c'est ça que je devais voir? Je dois cliquer quand il y a marqué rampe. Attends, on va essayer. Ok, attends. Je vais cliquer quand ça clignote rampe. On va voir. Bah, je sais pas. Attends, on va voir. De toute façon, j'ai quasiment tout essayé. Je sais pas d'où ils sortent, par contre, les gens mis. Attends, ça clignote rampe. Ça fait rampe, rampe, rampe. En bas, là, où il y avait la caverne. Vas-y, je la remets. C'est que je sais pas si je peux agir avec la cinématique ou pas. On va voir si je remets mes lunettes. Je peux? Je ferais mieux de me tirer non, d'ici. Non, il veut pas. On va voir hein, si ça clignote rampe. Parce que ça clignote pas, rampe. Là, ça clignote pas. Vous allez voir en bas à gauche, il y a marqué rampe à un moment donné. Là, ça clignote pas. Là non plus. Là non plus. Maintenant! Je peux rien faire. Je peux rien faire! Non, c'était marqué rampe. Non, non, une balade par là, ça me dit rien. Ça veut dire quoi, rampe? C'est pas rampe? Ça veut dire quoi, rampe? Rumpelstiltskin? Ça m'énerve aussi le machin jaune là qui vole. Je sais pas ce que c'est. Vas-y, sinon je pars sans la rampe. Attends. Et sinon je la laisse là, la rampe. Après tout, je peux pas l'emmener.
Vous avez entendu ce bruit là? Flûte. C'est Chao! J'en ai marre de votre rampe! Non, mais je crois qu'on peut pas partir sans. Hein. Mais moi, je voulais mettre des machins pour que ça glisse. Je devrais garder ça pour la route 2. Tu vois, je voulais... En fait, je voulais faire des trucs pour que ça glisse un peu. Je Et que ça les fasse tomber. Puisqu'il dit, je garde ça pour la route de la mine. Je peux pas remplacer la planche par la rampe. Je garde ça pour la route de la mine. Je garde ça pour la route de la mine. Je garde ça pour la route de la mine. Elle est prévue pour dévisser des boulons. Là, c'est bon ou pas? On va procéder par élimination. Est-ce que là, pour l'instant, cette étape-là, elle est OK? D'accord. Bah, j'ai essayé l'écran suivant. Tu vois, là, ce qui est bizarre, c'est que tu décolles pas tout de suite. Et il me dit, je garde ça pour la route de la mine. Je garde ça pour la route de la mine. Tu vois? Je devrais garder ça pour la route. Mais je garde ça pour il la est route. Agaçant. En plus, il veut pas y revenir là. Moi, je voulais fabriquer une autre rampe avec la planche. Il veut pas. Je fais pas de spéléo. Bah oui, il veut pas. Je fais pas de spéléo. Tu vois? Moi, je voulais revenir et faire semblant que ça, c'est une rampe, en fait. Je fais pas de spéléo. Il dit quoi si je regarde la rampe ici? La possession, c'est 90% de la propriété. Et ben voilà, c'est à moi maintenant. Je devrais garder ça. Elle est prévue pour dévisser des boulons. Y a rien, il se passe rien. Je fais pas de spéléo. Il veut pas. Ah, il sort de sa moto, hein. Pour me dire quoi? Ouais, bah voilà. Il aime rien, ce homme-là. Je garde ça pour la route de la mine. Il m'énerve! Et là, il veut plus revenir en arrière. Tirer d'ici. Punaise. J'y vois pas. Pourtant, j'ai plein d'imagination d'habitude, mais je bloque. C'est un truc, je suis sûre, c'est tout bête en plus. Bon, refaire la cinématique.
Salut Tommy. J'ai pas léché la rampe. Il a ses lunettes. En fait, dans la cinématique, c'est pas le point de vue de lui qu'on a. C'est le point de vue des méchants. Et le machin qui clignote, c'est... En fait, je sais ce qu'il faut faire, je sais pas le faire. Il faut faire en sorte à ce que eux, avec leur vision, ils ne voient pas la rampe. Et le seul moyen que j'ai, c'est de camoufler ma rampe avec cette espèce de machin en bois. Pour pas que les mecs, avec leurs lunettes magiques, là, ils voient ma rampe. C'est ça. Mais je sais pas faire. Parce que je peux pas la camoufler avec le machin. Ça, pareil, je peux rien faire. Du coup, c'est pour ça que je vous demandais s'il me manque un objet ou pas. Salut, est mort. J'ai vraiment l'impression qu'il me manque un objet. Bah, je sais pas si l'inventaire est plein ou si j'aurais dû récupérer, par exemple, admettons, la tronçonneuse, par exemple. Je devrais garder ça. De toute façon, on m'a dit la première étape est la bonne. Genre, ça c'est bon. Et ça, c'est bon. C'est juste... Je sais pas camoufler la rampe. Parce que je peux pas interagir avec elle. Je devrais garder ça pour la route de la mine. Regardez ça. Je crois que c'est pas comme ça que ça marche. Je crois que c'est pas comme ça que ça marche. Je crois que c'est pas comme ça que ça marche. Je devrais garder ça pour la route de la mine. Non, je peux rien faire. Même le machin qui vole, il n'y a pas d'écran pour aller récupérer tout ça. Je devrais garder ça pour la route de la mine. Je peux pas récupérer le machin qui vole. Et il n'y a pas d'écran pour aller récupérer le truc à voler. Un deuxième indice, ouais, vas-y. Je devrais garder ça pour la route de la mine. Non, si vous connaissez le jeu, vous donnez des mini-indices sans spoil, mais il y a Darst déjà qui s'en occupe. Je devrais garder ça pour la route de la mine. Ça tourne. Pour dévisser des boulons. Elle est prévue pour dévisser des boulons. Non, une balade par là, ça me dit rien. Vous êtes sûr qu'il me manque pas un objet ? Non, non, une balade par là, ça me dit rien.
Bah ouais, mais à part marquer rampe, il y a rien d'autre qui tourne dans la cinématique. C'est ça le problème. Tu sais, je clique, hein. Il y a bien un moment, ça va marcher, non? Bonjour les grosses motos. Bonjour, papa est là. Elle est prévue pour dévisser des boulons. J'en peux plus de ces boulons, je vais lui faire bouffer. Je fais pas de spéléo. Ça m'énerve! Je peux pas récupérer le machin qui vole! Non. Mais oui, mais j'ai bien vu qu'il faut que je les fasse tomber, les motos, mais... Je peux rien faire. Je garde ça pour la route de la mine. Je peux rien mettre. Je peux rien mettre pour les ralentir. Elle est prévue pour dévisser des boulons. Il faut lécher la rampe. Allez, c'est parti. Je refuse de poser mes lèvres là-dessus. Non. Non, il veut pas. Non. 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 Si. Non. Ben, j'aimerais bien. Je veux bien tout, moi. Non. Oui, il m'agace. Vas-y, je vais mettre un coup de pied. Non. Il veut rien faire. Vous pensez bien que j'ai déjà tout essayé, quasiment. Donc là, il tourne un petit peu la machin. Et c'est tout. Salut, Avril. Voilà. Je ferais mieux de me tirer d'ici. C'est quoi le truc? J'en sais rien, je peux pas le récupérer en amont. Je peux pas le récupérer en amont, c'est ça le truc qui m'énerve. C'est que là, je sais qu'il y a un truc ici, mais je peux pas le récupérer. Moi je triche, hein.
Belle ligne. Merci. On va regarder en remaster, hein. Gauche ! Gauche ! Faut rien faire. Je peux pas tourner à gauche avec ma manette. On peut rien faire dans le jeu. Oh, grand esprit en colère de Rick et Miran, nous honorons ta fureur. Mais pour l'instant, il faut ramener la robe. Mais non, remaster, on voit rien. Je vais maintenir rond comme ça, plus de cinématique, plus de rampe. Elle est encore là. Elle me fatigue, cette rampe. Attends, j'ai une idée, je vais mettre la planche. Hop. Je garde ça pour la route de la mine. Il me fatigue. Les boulons, il m'aime bien. Elle est prévue pour dévisser des boulons. Et voilà. Et voilà. Regardez bien le truc qui vole et qui m'énerve, qu'on peut rien faire. Hop. Et hop là, voilà, super. Est-ce que je peux décaler ma moto sans accrocher la rampe? Ah, mais attends, je sais. Je m'en vais. Et les motos, quand elles vont arriver, elles vont faire youhou! C'est bon ou pas? Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça marche, Igami. Je peux me décaler. Salut Margot. Mais comment tu vois ça, les petits ronds? Tu les vois comment, les petits ronds? Attends, tu veux dire que... Je serais mieux de me tirer d'ici. Tu veux dire que... Je serais mieux de me tirer d'ici. J'ai enlevé la barrière en bugnant le truc. Je serais mieux de me tirer d'ici. Oh non, c'est pareil. Mais il veut pas customiser. Elle est prévue pour dévisser des boulons. Je devrais garder ça. Elle est prévue pour... Je devrais garder ça pour la route. Je garde ça pour la route de la mine. Il m'énerve. Mais voilà, et en fait je reviens là. Grand
Ivan, nous honorons ta fureur. Mais pour l'instant, il faut ramener la rampe. Oh, ça fait 12 000 fois qu'il la ramène, la rampe. Et voilà, je reviens là. Salut, ta mère. Bon, procédons par étapes. C'est bon là ou pas? Oui ou non? Ok. Ensuite, je descends de ma moto. C'est bon ou pas? Oui ou non? J'appuie sur la main. C'est bon ou pas? C'est Steve. Là, c'est bon ou pas? Oui? Ok, ensuite. C'est bon ou pas, là? Ok. Ça, je mets la rampe. C'est bon ou pas? Je prends ma moto et je vais à l'écran d'après. C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je vois pas ce qu'il faut faire à l'écran d'après. Ouais, parce que la rampe, elle fait pouet, 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 sur les petits ronds qui sont, je suppose, des ralentisseurs. Est-ce que je dois descendre de ma moto et faire des choses? Ici? Non. Arrête de dire non, toi aussi. Oh la vache, mais je trouve pas, en fait. Elle est prévue pour dévisser des boulons. Je garde ça pour la route de la mine. J'arrive pas à la détacher, la rampe. Non. Il en veut pas. Ah ouais? Ça le rend ouf! C'était nul à faire! Ça, j'ai tout essayé sauf ça! J'en ai fini avec eux. Je vais me faire un café. À tout de suite. Heureux. Ah, ça me rend ouf. Ça me rend ouf parce que du coup, j'ai tout vu et j'arrivais pas à faire ce que je pensais. Et c'était vraiment trop bête. J'entendais les bruits qui étaient pas normaux. Je voyais bien qu'il y avait un truc qui avait été beugné. Je voyais bien qu'avec leurs lunettes, ils pouvaient pas avancer. J'ai juste pas pensé à prendre la rampe au deuxième écran, alors que j'ai essayé de faire plein de trucs. Bon, on remet à la version moche. Parce que j'aime bien. J'aime bien les gros pixels. C'est vrai, mais le pire, c'est que... Ça, c'est du Discworld tiers, ça. C'est du Discworld tiers. Genre de truc où on s'en veut de pas y avoir pensé, parce qu'on a pensé à pire. Allez, go. Mais... J'ai comme un pressentiment. Je parie qu'il y a plus de pont. Il la laisse là quand même ? Elle est très bien là où elle est. Elle est très bien là où elle est. Je refuse de poser mes lèvres là-dessus. Propriété du grand show itinérant du cascadeur Ricky Miran. Ok. J'aimerais beaucoup faire ça, ouais, mais je crois qu'on peut pas. J'ai comme un pressentiment. Il paraît qu'il y a plus de pompe.
J'ai comme un pressentiment. Je parie qu'il n'y a plus de pont. Alors, fais voir. La combinaison de vol expérimentale du professeur Papillon. Professeur Papillon, c'est mignon. Une des nombreuses victimes de cette gorge. Le célèbre saut de la gorge de Ricky Mira. Ouais, il se fait bien, hein, Beloutin. En plus, c'est ce que je disais en début de stream. Projectile humain, il se fait plutôt bien, en fait. Et rares sont ceux qui ont réussi. Mais Ricky Miran, la torche volante, a réussi à franchir la gorge sur une moto Corlette de série. En fait, on découvrit plus tard qu'il avait modifié sa Corlette d'origine, en rajoutant un prototype de pré-production de booster à carburant solide de classe Destroyer, et un système de soufflerie. Miran a déclaré qu'il serait d'accord pour tenter encore ce saut et laver son honneur bafoué. Mais sa rampe de lancement spéciale a été volée par une mystérieuse bande de motards. Un booster et une soufflerie d'Overcraft? Merci pour l'astuce, Rick. Ok, il a une info grâce à ça. Ouais, ça va, hein, en plus, hein. Franchement, ça va, salut Noctiane. Je m'éclate, hein. J'ai presque tout, il manque plus qu'une soufflerie. Ah, il manque la soufflerie. Bon, il manque bien un objet, là, du coup. Est-ce qu'il faut que je repique la soufflerie à un perso, ou on est bon, là? Est-ce que c'est genre un des persos là qu'il faut que je... Non, il m'a dit, il manque juste la soufflerie. Oh, je lui ai mis ça dans les yeux, c'était bon. Le boost G apparemment. Il a dit, il manque juste la soufflerie. Est-ce qu'il faut que je pique la tronçonneuse, du coup? Lui, là, il a un boost. Ah non, c'est pas lui. C'est l'autre. Bouille molle. Tu vas te calmer, hein? Ok. Oh, apparemment, le boost, je l'ai déjà. J'ai le bouquin en plus là, le gros bouquin, l'univers des point and click. Ok, je crois que j'ai à peu près compris qui counter qui. En fait, je voudrais juste essayer de récupérer la tronçonneuse pour voir. Je crois que c'est le seul truc qui me manque. Dommage. En fait, je sais pas si je dois refaire les combats. Parce que du coup, je reviens là. Ah, bah là, j'ai une chaîne. Cette chaîne pour mes amis de la route de la vieille. Ok. Je garde cette chaîne pour mes amis de la route de la. Elle est prévue pour dévisser des boulons. Ouais, c'est ça, Void, ça parle de l'historique des point and click. Non. Je garde cette chaîne pour mes. Ah, tu vois, mon inventaire, il est pas forcément plein. Tu vois, je peux jongler, du coup. Papa est là qui a fait la seule cote de l'année. Il va me ressortir tout le temps maintenant. Ouais, c'est la soufflerie.
Du coup, je me dis peut-être. Peut-être qu'il y a un perso. Il y a un perso, peut-être de la mine, qui me le donne. Est-ce que tu referas le jeu en version Full HD? Non, parce que j'avais la possibilité de le faire directement en HD et j'ai choisi de pas le faire. J'ai choisi de garder la version rétro dans les options. Ouais, c'est ça. Il me manque juste une soufflerie. C'est presque tout. Il me manque plus qu'une soufflerie. Mince! J'étais en train de chercher ce que je pouvais faire. Mince. Oh nul. Salut KitKat. Ouais, c'est ce que je voulais faire. Salut Protsky. Axel Red. Salut Axel Red. Salut Inforea. Merci pour le Axel Red. Comment ça va? Salut Kalios. On cherche une soufflerie. Vous l'avez vu ou pas? Salut comment? Peut-être que si je retourne au stop. Moi, j'ai galéré là sur une énigme. Ouh. Tu faisais quoi de beau? Comment on revient au point de départ? Salut KitKat. Peut-être si je touche à rien, je reviens en arrière. Je crois pas, hein. Lethal Company, je sais même pas ce que c'est comme jeu. Il est grand temps. Ah, je reviens là. J'ai presque tout. Il manque plus qu'une soufflerie. Ah, en fait, il faut qu'on trouve. Je crois pas que j'ai vu un truc qui ressemble à une soufflerie, là. Je voulais piquer la tronçonneuse, mais je crois que c'est pas bon. Je fais pas trop de jeux en coop. Je suis boulot pas compatible très souvent. Ah bah voilà, c'est cette dame-là. Je voulais lui piquer peut-être potentiellement sa tronçonneuse. Donne la tronçonneuse. Je me dis qu'il y a peut-être une petite soufflerie intégrée dans une tronçonneuse, non? Salut psychique. Wow, mon calendrier, franchement, t'hallucinerais. Si je te donnais mon calendrier, tu te dirais tu vis quand? C'est vrai, info. Bah ouais, parce que je jongle entre mes horaires de stream que j'essaye de caser. Le week-end, je stream pas, parce que bah, un week-end sur deux, de toute façon, je peux pas. Donc j'essaie de caser mes horaires de boulot avec les horaires de mon conjoint. Enfin, c'est... Et mes 4 semaines de boulot ne se ressemblent pas, en fait. Je peux même pas te dire je suis dispo tous les lundis, parce que c'est pas vrai. Enfin... Un peu chiant, quoi. Obligé de calculer. Si tu me dis t'es dispo dans 15 jours, je n'en sais rien. Ouais, toi aussi, info. Ouais, c'est pareil. Faut que je calcule. Alors, monsieur, il est d'après-midi. Du coup, c'est les streams du matin. Je bosse tel jour, tel jour, tel jour. Je suis de week-end. C'est un vrai casse-tête. Ouais, moi aussi, c'est un peu ça, info. Attends, c'est le dimanche où je suis du matin. C'est le dimanche où je finis à 22. C'est quoi? C'est quand? C'est quoi?
En plus, toi, Protsky, si tu streams... là, il est quelle heure, 14h, si tu streams vers midi, c'est mort. Déjà, c'est mort. Et on n'a pas d'enfant. Non, puis là, comme dit, là, on va, en plus, on va, là, c'est pas la bonne période, parce qu'on va crouler sous les rendez-vous, vu que les proprios veulent vendre la maison. Donc, ça me rajoute, de l'angoisse de caler telle journée, tel rendez-vous, tel machin, tel truc. Ouais, le soir éventuellement, mais par contre, je me suis dit que une coop par soir, tous les 15 jours. Donc pareil, du coup, j'ai pour l'instant, j'ai ma coop avec KO, mais je me suis dit une coop par soir tous les 15 jours. Pareil, c'est... Attends, on voudrait... Mais pourquoi pas un soir, si on finit pas trop tard, parce que j'ai très très vite mal au dos. Peut-être faudrait que ce soit un soir où monsieur rentre qu'à 23h30. Parce que l'autre soir, il se lève à 4h du mat. Donc tu vois, pareil, c'est... pareil, c'est... Faut que je calcule. Trop la ref. Ouais, toi aussi, moi c'est... Enfin, moi c'est pas que je me bats, c'est que j'essaie d'allier stream. Surtout, en fait, c'est surtout les streams. Donc ouais, un soir en 15, Protsky. Un soir en 15. Je sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce que la soufflerie, c'est un des persos là que je combats? Moi non plus, j'aime trop streamer. On s'amuse trop bien. C'est pas les bonhommes, d'accord. Mais tu sais quoi, en fait, je me disais, je suis pas sûre, en fait, de refaire un taf en journée. Parce que, mine de rien, bah, quand je finis à 22h, ta soirée, que tu finisses à 20h ou à 22h, de toute façon, ta soirée, elle est déjà finie. Par contre, je commence à 15h. Donc, mine de rien, commence à 15h quand tu as une lève tôt. Bah, c'est pas mal, déjà, tu vois. Et quand t'es de journée, bah, déjà, tu te lèves tôt. Et en plus, il suffit que tu rentres chez toi à... Enfin, que tu finisses à 17h, le temps de rentrer chez toi, tout ça, on va dire, mettons 17h30. Bah, je trouve qu'en fait, ta soirée, elle est vite bouffée, hein, le temps de rentrer, prendre ta douche, faire à manger, machin truc. T'es quand même éclaté par le boulot. Bah ouais, je trouve que peut-être les horaires de journée, ça me conviendrait même plus, tu vois. Bonne Propsky. Je t'ai appelé Propsky. N'importe quoi. Bon, je sais pas revenir en arrière pour acheter la... Enfin, pour gagner la soufflerie. T'en veux encore? Je vais te réduire en bouillie. Ouais! Je voudrais revenir en arrière. Comment on fait? Tiens, là, sorti. Faut sortir de cette boucle et juste continuer la longue... Genre là, je... Je quitte là, j'attends. Non, parce que là, je vais revenir à la rampe. Ah, j'en sais rien. En fait, si je me laisse faire,
Je retourne à la rampe. Un rythme de journée aussi, Margot? Ouais, je crois que quand t'es habituée à faire des horaires décalés, après tu peux plus. Demi-tour et c'est tout droit pendant un moment. Ouais, ok. Donc là, si j'arrive à la rampe, je refais demi-tour et j'attends. C'est ça? Parce que pour moi, là, je reviens à la rampe. Non, il me faut la soufflerie. Faut que je trouve la soufflerie. Le truc à souffler, là. Ok, vas-y. Je touche plus à rien. J'ai mal à mon pied, je vous jure. Bon, là, il y a la musique. Non, parce que je reviens là, en fait. Tu vois, je reviens là. Ah, attends, je continue, ok. En fait, je voulais revenir au début où il y a le hangar. Je me dis que peut-être je peux ouvrir le hangar maintenant. Salut, Rizovix. Ouais, franchement, le jeu est trop bien. Hein. Ah, voilà. C'est bon, non? Ouais, voilà. En fait, je voulais revenir... Ah bah. Regarde cette débandade. Eux? Ah ouais? Donc la soufflerie, c'est mort? Ah si, c'est bon. Non? Ah, il continue à me suivre encore. Attention. Ok. La rampe! Attendez, je vais continuer tout droit. Je vais m'arrêter et eux, ils vont prendre la rampe. C'est obligé. Et après, je me suis débarrassée d'eux. Venez, j'ai une strat. Eux, ils vont continuer là et moi je vais voilà, hop, et voilà. Oh, ma rampe, elle a disparu. Mais non, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Mince. Est-ce que du coup je peux les emmener voir les autres motards? Quel fiche. Ouais, je suis comme toi, Margot. Donc attends, parce que là, du coup, je suis suivie par les méchants. Salut, Tipentop. Moi aussi, j'ai ça. La godasse? Non, les yeux. Mais non, mais il est où l'autre avec sa voiture aussi, là? Mince. Bah, ils vont me rattraper, là, les méchants, non? Non, on m'a dit que c'était pas ça, la solution. C'était pas d'aller chercher les méchants.
Est-ce que je suis encore poursuivi par les méchants là alors que je suis tombé de ma moto? Ouais, c'est ça, je suis plus poursuivi. Hein. Donc là, je reviens les chercher. Regarde cette débandade. Ok, fiche. J'ai pas l'impression qu'ils me suivent, en fait. On va voir si je reprends une sortie. Ben non. En fait, je voudrais éviter de me battre contre les gens, mais... J'ai l'impression que j'ai pas le choix. Je peux pas retourner là où je voulais aller, donc c'est pas ça la solution. Où est-ce que je pourrais trouver une soufflerie? Ouais, parce que je suppose que j'étais pas forcément censée... Oh, je voulais partir et... Bon, attends, je ressors ici. Puisqu'on m'a dit que ce que je cherchais, c'était pas auprès d'eux. Donc, si je m'arrête là, est-ce qu'il y aurait pas un truc à piquer ici? Bah, a priori, j'aurais le boost, ouais, puisqu'il dit que j'ai pas la soufflerie. Il a dit, il manque la soufflerie. Je garde ça pour la... Je devrais garder ça pour la... Donc après, quand je fais un truc par là, il avance et je sais pas ce qu'il y a d'autre. Elle est prévue pour dévisser des boulons. Arrête, il me fatigue! T'es où? Cours! Oh, le suspense qui sert à rien. Putain, je sais pas où faut aller, je suis coincée encore. J'ai plus les lunettes en plus, je crois. Le boost, je crois que c'est parce que j'ai eu le gars là qui allait vite. Donc ça, c'est bon. Là, je peux aller soit à droite, soit à gauche ici. Mais ça change rien, c'est encore des combats. Et là, je reviens là. Et la rampe est là, par contre. Le problème, c'est qu'il veut pas aller là. J'ai presque tout. Il me manque plus qu'une soufflerie. Voilà, il dit il me manque plus qu'une soufflerie. J'ai presque tout. Il me manque plus qu'une soufflerie. Bah, la flaque d'acide, j'en ai récupéré là. Tu vois? Est-ce qu'il va aller mettre le merdier là-haut? Il va me dire non. Je devrais garder ça pour la route de la mine. Pas à pied.
Non. Non. Echo, Echo, Echo. J'ai presque tout. Il me manque plus qu'une soufflerie. Non. Ah, je sais pas. Est-ce que c'est avec les méchants? Le problème, c'est que ça les délète, les méchants, à un moment donné. Non. Je refuse de poser mes lèvres là-dessus. T'es quand même avec les méchants? Ah là là, c'est chiant parce que du coup je boucle. Moi je pensais qu'en les amenant ici, ils allaient prendre la rampe et salut. Bah, la soufflerie, je suppose que c'est récupérer le moteur ou le pot d'échappement de la voiture. Ouais, mais il veut pas dévisser les boulons du véhicule. Il veut pas. Et voilà, si j'y vais, hop, je fais demi-tour. Regarde cette bandade. Et là, je peux pas utiliser mes objets, en fait. Donc là, il se passe un truc. Hop. Attention. Mais c'est tout. Et là, je peux rien faire. Je peux pas utiliser d'objets dans mon inventaire ou quoi. Pardon. Le problème, c'est que si je tourne, je me retrouve à affronter les bikers. Donc on s'en fiche. Salut Jean-Jacques! Je suis le César d'Astérix, c'est vrai? Et là, hop, je refais demi-tour. Après, je peux bien refaire demi-tour jusqu'au début du jeu. Hein. Sachant que la musique, elle démarre, j'ai l'impression, en point de repère. Hein. Donc là, je reviens ici, mais il n'y a plus la cinématique. Je vais voir si je reviens au début, là où je suis allée les chercher. Est-ce que ça me refait faire demi-tour ou pas? Ah ouais, ça refait demi-tour encore. Le problème, c'est que je peux plus utiliser les lunettes pour retrouver la caverne et les emmener. Parce que là, il dit « Ah, les caverneux !» C'est vrai, Jean-Jacques Gundam, on aurait eu besoin de toi. Tu vois, le problème, c'est que je suis coincée parce que je peux pas prendre de sortie directe. Je suis obligée d'affronter eux. Et en fait, j'aimerais bien ne pas avoir à les affronter. Ça, c'est Madame Tronçonneuse, ça. Et là, du coup, ça m'a réservé les méchants.
Bah si, je pense, parce qu'il a dit la route de la mine, donc je vois pas où je pourrais poser ma planche et tout. Je vais peut-être mettre la planche dans la flaque. On va essayer. Ah, j'aimerais bien esquiver les motards. Ouais, elle me saoule, madame tronçonneuse, je veux bien savoir. Mais je suppose que c'est pas ça. Ouais, tu vois, il veut rien, en fait. Je devrais garder ça pour la route de la mine. Elle est prévue pour dévisser des boulons. Je garde cette chaîne pour mes amis de la route de la vieille mine. Mais tu vois, je peux rien démonter, en fait. Il part je sais pas où et après il dit le houlon. Ok, c'est l'engrais. Et du coup, il y a un intérêt à récupérer sa tronçonneuse ou pas du coup? Je refuse de poser mes lèvres là-dessus. Cette bécane a une sacrée gueule, mec. Salut Michael Jackson. Je garde ça pour la route de la mine. Ah, je suis pas sûr que ce soit un truc à faire ici. Hein. Salut Senzo. Et coucou. Moi, il n'y a pas d'autre intérêt. Bah pour la soufflerie, je sais pas. Hein. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Salut Bri, ça fait un petit moment là que je suis tout le temps dans la même zone. Donc si j'avais eu une idée, elle aurait popé bien avant. Hein, je reviens là. Il est déjà 15h, j'ai pas avancé dans le jeu, c'est un truc de fou. Ok, je reviens là. Elle est prévue pour dévisser des boulons. Je garde ça pour la route. Je devrais garder ça pour la route de la mine. Le célèbre saut de la gorge de Ricky Miracle. Équilibriste, parapentiste, projectile humain, nombreux sont ceux qui ont tenté de franchir la gorge de Poyaoga, et rares sont ceux qui ont réussi. Mais Ricky Miran, la torche volante, a réussi à franchir la gorge sur une moto Corlet de série. En fait, on découvrit plus tard qu'il avait modifié sa Corlet d'origine, en rajoutant un prototype de pré-production de booster à carburant solide de classe Destroyer, et un système de soufflerie. Miran a déclaré qu'il serait d'accord pour tenter encore ce saut et laver son honneur bafoué, mais sa rampe de lancement spéciale a été volée par une mystérieuse bande de motards. J'ai presque tout. Il me manque plus qu'une soufflerie. Ouais, il lui manque juste la soufflerie, mais je pense que c'est le truc dans la voiture volante. Le problème, c'est que je ne sais pas piéger la voiture volante. Il n'y a pas d'endroit. Le seul truc où, où ça interagit, c'est ici, quand ils veulent faire demi-tour. Et au niveau de la flaque d'engrais. Non. Pas à pied. Je garde ça pour la route de la mine.
Elle est très bien là où elle est. Il veut pas la déplacer pour la mettre là. Écho, écho, écho. J'ai presque tout. Il me manque plus qu'une soufflerie. Je peux rien mettre au sol. Je garde cette chaîne pour mes amis de la route de la vieille. De toute façon, ça, je pense qu'on s'en fout. C'est que des armes pour se battre pour les motards. Mais si la solution, c'est pas les motards... Non. Mais je peux pas renverser de l'huile. Elle est prévue pour dévisser des boulons. J'ai presque tout. Il ne manque plus qu'une soufflerie. Rien faire. Il va derrière le bâtiment là. Enfin, c'est pas un bâtiment, c'est il va derrière ça. Et il fait rien en fait. Il me dit non, c'est pour déboulonner, je sais pas quoi. Et en fait, le meilleur moyen là, ce serait vraiment ce truc là en fait de déboulonner, mais on peut pas. Il est prévu pour dévisser des boulons. Il veut rien faire en fait avec le truc. Il part derrière là. Je dirais qu'Emmet a déchargé ici. Et en fait, il fait rien. Je garde cette chaîne pour mes amis de la route de la vieille mine. Je pense que de toute façon, la solution, c'est ici. Parce qu'au niveau de la rampe, il se passe rien. Le problème, c'est que je peux rien faire. Si ? Ah ouais, il le fait ici, précisément. Elle tient plus. Elle tient plus à grand chose, maintenant. C'est bon ? Il n'y a plus de boulons. Ok, et après ? Il n'y a plus de boulons. Ah, j'ai essayé 10 fois et à chaque fois, il fait le tour du véhicule et il me dit ça sert à déboulonner. Ah, si tu n'insistes pas un petit peu à plusieurs endroits différents, tu te fais avoir. Hein. Mais il me semblait l'avoir fait sur les roues, il me semblait. Regarde cette débandade. Ça a pas marché. Thank you.
Ah mince, et du coup je peux pas arrêter de... d'être poursuivi maintenant ? Je peux pas arrêter d'être poursuivi. Ah si, là c'est bon, stop. Ah mais il part de l'autre côté là. On dirait qu'Emmet a déchargé ici. Je refuse de poser mes lèvres là-dessus. Le camion les bloque. Le camion les bloque quoi ? Y a plus de boulons. Je garde cette chaîne pour mes amis de la route de la vieille mine. Je suis pas acheteur. Il y a plus de boulons. Je suis pas un cow-boy. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Je garde ça pour la route de la mine. Le camion les bloque. En fait, je veux pas qu'on me donne la solution parce que je pense que ce sera le dernier point and click qu'on fera en stream. J'arrête pas de dire, l'intérêt d'un point and click, c'est de chercher en fait, et pas d'avoir la solution tout droit sortie. Ça m'intéresse pas en fait. Je suis pas acheteur. Le camion les bloque. Je suis pas acheteur. Il me dit quoi ? Je suis pas acheteur. Je garde ça pour la route de la mine. Le camion les bloque. Le camion les bloque. Je suis pas acheteur. Je peux rien faire. Je suis pas acheteur. Je suis pas acheteur. Est-ce qu'il passe derrière, par défaut ? Non mais j'essaye 36 000 trucs depuis le début, et c'est quand il veut. Quel bordel. C'est quand il veut. Bon, après, il y a quoi d'autre ? C'est fait de poids et halter pour aujourd'hui. C'est bon ? Moi, je remets 10 000 coups de pied. Hein. Il m'a saoulé. Ouah, c'est aujourd'hui, le point and click, il m'a saoulé. Tout est facile et pourtant, l'exécution est si dure à faire. Je l'ai déjà fait, Ramladu. C'est ça qui m'énerve. Ça n'a aucun sens.
Non, je me déchaîne pas. Bon, est-ce que c'est bon? Je vais chercher les méchants. Parce que c'est des voitures volantes et je suppose que les voitures volantes, elles sont équipées d'un truc qui souffle pour les faire voler, je pense. Je pense que c'est ça. Du coup, faut que je bait la voiture volante. C'est ça qui est trop bizarre, Ibri, c'est que depuis tout à l'heure, j'essaye des trucs. Soit il passe derrière, soit il passe devant, soit il fait des trucs, soit il les fait pas. Bon, normalement, c'est bon, alors. Donc, lui, il passe, forcément. Ça change rien. Ah, si, c'est bon. Déjà une moto. Oui, mais je vais me servir de la moto de collection qu'elle a retapée avec son père. C'est une histoire de sentiments. Tu peux pas comprendre. Allez, plus vite. Bon, je suppose que du coup, il a pas la soufflerie, il faut que j'aille la rechercher. Ah bah là, ça fait plusieurs fois que ça m'arrive. En fait, il y a marqué roue et semi, mais c'est compliqué. Là, j'ai voulu déboulonner, en fait, plusieurs fois, et à chaque fois, il passait derrière la remorque et tout. C'était compliqué. Alors du coup, bah forcément, tu te dis, ça ne marche pas. Bah... tu réessayes pas, tu vois. Ah voilà, non, je peux récupérer très certainement... C'est marrant, il y a tout qu'à... a disparu. Je touche pas au truc sans roue. Bah si, parce que du coup j'ai besoin de ta soufflerie en fait. C'est bon, tu l'as la soufflerie? C'est ça. Pas mal pour de la récupération. Bon bah voilà, c'est bon. On y va là. Je l'ai équipé sur ma moto. Attendez, attendez, attendez. Attendez. Je vérifie quand même. J'y ai assez touché. Ouais, je sais pas, hein, je me méfie de toi. Tiens, hop. Je touche pas au truc sans roue. Parce que bon, truc sans roue. Merci pour le follow, bienvenue. C'est fichu. C'est bon? Allez, je vérifie quand même au cas où. Oh, j'ai pas léché la voiture. Oui, bon, écoutez, c'est que... eh, vous êtes terrible. Non mais Domi et Tip and Top Ok, c'est bon. Bon, maintenant je peux y aller là, j'ai la soufflerie qui est installée. On y va? Bon, j'ai bricolé ma bécane au poil. C'est parti!
Et mais quelle aventure! Eh, hey, c'était pas facile cette partie, hein. Tout était limite au pixel près, là. Tu as combien? On est d'accord qu'on finit pas le jeu, là. Il est déjà 15h, en plus. L'usine de Corley Motors. La terre sacrée. Non. Non. Bon, après, en vrai, on s'est arrêté sur un changement de zone. On s'est arrêté sur... Est-ce qu'on s'arrêterait pas ici sur aussi ce changement de zone? Comme ça, la semaine prochaine, hop, on fait toute cette zone-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me paraît bien. Un petit peu d'air E3 là avec Nemesis. Ouais, hein. Allez, comme ça, on procède par zone à chaque fois. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Bon, on a un petit peu avancé. Ah si, on a quand même pris 20% de jeu. Je crois qu'on est à 35%. Ouais, je pense qu'en vrai, il me reste peut-être deux petits streams comme ça. Je pense qu'il me reste deux petits streams.